Je vais arrêter ma petite musique. OK, c'est bon. La parole est à toi, Paul. OK, je trouve avec un chant. All right, le chant Mi'kmaq pour les rassemblements. Which we doggy dongi gama wula richnigeya. Maui omi ripawaze gwelda stem today. Which we doggy ganish gamish wula richnigeya. Epigwede ma de nukik pa weha ha uwe. We are, 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 we Quoi, ni domba, ni domba, squa, nomba, nomba, squa, d'aï benapam qui se gâtu d'aller. Bonjour tout le monde, nous sommes, moi et mon épouse, nous sommes très heureux de nous retrouver avec vous parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on s'est jasé ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va parler, on va parler de démystifier des choses par rapport au totem, les noms de famille, etc., etc., parce que souvent, on associe ça où l'histoire a fait que des fois c'est mal compris, c'est mal interprété. Donc, on va faire une courte présentation par rapport à ça. Puis, n'importe quand, vous pouvez m'arrêter puis me poser des questions par rapport à ça. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, on va commencer avec, s'il te plaît, Chérie. Le drapeau. Pourquoi qu'on commence avec le drapeau? Bien, étant donné qu'on est sur le territoire de la nation Abenaki, c'est pour démystifier des choses par rapport à ça. Est-ce que vous m'entendez tout bien? Oui? Oui, oui, oui. OK. C'est ça, c'est que ce drapeau-là a été réalisé en 1960 par certains aînés de la communauté. Et à ce moment-là, on avait le chef était Jean-Marie de Gonzague, si je me rappelle bien. Puis, il s'est rassemblé avec les membres de son conseil, d'autres aînés, et ont peint et ont dessiné ce drapeau-là qui était... Parce qu'auparavant, on n'avait pas de drapeau, dans le sens de drapeau à Odanak. Donc, ils ont créé ça. Comme vous pouvez voir, ben, c'est une tête autochtone avec deux plumes et non un panache, avec deux flèches. Mais souvent, ce qu'on voit, encore aujourd'hui, vous voyez, malgré que ça ne fait pas 100 ans, là, les générations perdent des informations par rapport à ça ou vont seulement en faire une interprétation. Un exemple, si on débute avec la tortue qui est à la gauche en haut, bien, la raison pourquoi, pardon, c'était très simple, c'est que les Abénakis, dans l'histoire, étaient considérés comme du clan de la tortue. Puis le nom, bien, c'est Tolba. Et un autre nom, c'était Plawino. Donc, c'était le nom de la... pour identifier la tortue. Mais la tortue, comme je dis, ça représente le clan. La tortue aussi, c'est que ça représente sur les écailles. On ne le voit pas bien là-dessus parce qu'ils ont mis plus d'écailles. Mais une tortue, ordinairement, elle a 13 écailles qui représentent les 13 lunes par année, qui représentent les 28 cycles mensuels, en fin de compte, pour les mères. Donc, c'est un clan, plus particulièrement dans l'histoire de ceux des Sogwakis ou des Sogokis. Et à l'extrême droite, ben, on voit l'ours dans le coin. Ben, l'ours, c'est l'autre clan. La tortue, c'est les Abénakis, puis l'ours, c'est les Sogwakis ou les Sogokis.
Donc, c'était, en fin de compte, les deux clans principaux de la communauté au début de la colonie à la formation de la seigneurie. En bas à gauche, ben, la feuille d'érable, ben, c'est tout simplement, ça représente le drapeau du Canada à l'époque, même encore aujourd'hui. Ça veut dire les Abénakis qui vivaient au Canada, qui vit toujours au Canada, et par la pour terminer, l'aigle à droite qui représente ceux qui vivent de l'autre côté de la frontière, donc aux États-Unis. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un visite le musée ou parle avec ceux de la nouvelle génération, ils vont dire ben, la tortue, c'est la sagesse, l'ours, c'est la force, la feuille d'érable. Ils peuvent parler de toutes sortes de choses. Puis l'aigle, ben, c'est celui qui apporte les prières. Mais dans le fond, le drapeau, ça a été créé en l'honneur des familles d'Odanak qui vivaient aux États-Unis puis au Canada quand ils se rassemblaient. En fin de compte, c'est la signification que les Abénakis vivent autant du côté des États-Unis que du côté du Canada. Et puis les deux clans principaux dans l'histoire, c'était le clan de la tortue puis le clan de l'ours. Donc, c'est la raison du pourquoi que le drapeau avait été confectionné de cette façon-là. Juste pour vous donner un exemple, on va le garder en arrière-plan pendant un petit bout. Puis, comme vous pouvez voir, ben, il n'y avait pas le port du panache, là, la grosse coiffe comme on voit dans l'Ouest. C'était seulement deux plumes. Et même dans l'histoire, puis dans la tradition orale, on parle que... Les aînés mentionnaient que c'était le chef, un exemple, portait trois plumes sur le côté de la tête et non trois plumes droites à l'arrière. Il n'y avait surtout pas le gros panache là, qu'on voit dans ce qui a été vulgarisé à Hollywood, là, puis que tout le monde est embarqué là-dedans. Donc, comme on dit, le totem et nom de famille, le caméléon classique de Scott Plaid avait un problème facile à préserver son identité. On donne un exemple dans l'histoire. À côté de l'Indien du Maine, parce qu'étant donné que les Abénakis, comme plusieurs groupes de la Wabanaki, ben, on vivait aussi sur les côtes du Maine, à l'intérieur, en fin de compte, sur le côté plus sud-est du territoire. Donc, tout le monde avait leur propre nom, rarement utilisé par eux-mêmes dans les temps anciens. Tout le monde, comme vous le savez, depuis 400 ans, ben, on était connu sur notre nom de baptême français parce qu'on était, on était sous l'évangélisation des Jésuites. Comme par la suite, ben, soit que le nom est devenu anglais ou français. Donc, ça s'applique au clan aussi. Puis les surnoms. Donc, souvent déplacé son nom d'une période, d'une façon... Le nom de baptême avec le nom du clan, le nom de la... À un moment donné, c'est comme on ne sait plus qui est qui. Donc, dans l'histoire, puis les historiens, comme les anthropologues ou qu'importe, viennent toutes mêler à savoir ben, c'est quelle famille qui avait tel nom. Puis, ben, souvent, quelqu'un pouvait donner comme un exemple. Ben, ici, un exemple qui nous touche de près sur la rue où on demeure présentement, la rue Awasus. Ben, c'est la rue qui signifie l'ours, mais aussi au bout de la rue complètement. Aujourd'hui, la vieille maison n'est plus là. Je me rappelle quand j'avais peut-être 8-10 ans, il y avait un solage d'une vieille maison qui était là. Puis mon père, mon grand-père disait que c'était la maison, la demeure de Samuel Awasus. Samuel ou Samuel Awasus, c'était Samuel Awasus en fin de compte. Puis la raison pourquoi il l'appelait Samuel Awasus, son nom de famille, c'était pas Awasus, c'est que ce monsieur-là, il marchait, puis il était courbé, puis il marchait comme si on voyait marcher un ours. C'est pour ça qu'ils l'ont surnommé Samuel Awasus. Puis c'est la raison pourquoi aujourd'hui on a nommé le nom de la rue Awasus là, en l'honneur de cet aîné-là. La difficulté de faire un dossier généalogique d'une famille indienne réside non seulement dans le manque de dossiers, mais aussi dans l'absence de tout nom de famille connu des Européens, couramment utilisé, un exemple, par les Autochtones eux-mêmes. Tel que, comme on entend parler, Jean est le fils de Jean, Pierre est le fils d'André, il est possible de classer
des individus connus seulement par leur nom chrétien. Le fils a pris le prénom du père, ajoutant la sœur et junior. En tout cas, on voit aujourd'hui là, que c'est comme... Il y avait un monsieur ici. Ben, on va vous parler d'un exemple concret. Simon Wamsawin, un exemple. Ben, il y a à peu près comme, je ne sais pas, peut-être 8, 9 Simon Wamsawin qui existent, qui existaient à l'époque, du même nom. Donc, pour les différencier, ben, c'est Simon père, au lieu de dire Seigneur, ben, il disait juste Simon. Puis quand c'était le fils, ben, Simon 6. 6 qui signifie le petit Simon. C'est pour ça, pour les différencier, mais quand tu en as 7, 8 à un moment donné, il fallait que tu trouves un sobriquet par rapport à celui qui fait des remèdes, celui qui fait du frein, celui qui est chasseur, celui qui, comme on dit, qui est petit puis qui est baquet, ou l'autre qui est grand puis est maigre, ou... parce qu'autrement, tu avais tellement de monde du même nom que c'était difficile de les différencier. Nous ne sommes pas indifférents de notre histoire, quand nous étions soucieux de la préserver, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, même si des fois c'est difficile, par notre système basé sur la tradition orale. Le vocabulaire des relations était beaucoup plus étendu que celui de leurs voisins québécois, car ils pouvaient facilement donner en un mot bref la distinction « le fils du frère de mon père ». Donc, si un exemple, si on se rapporte que si on parlerait encore la langue abénaki, ben c'était bien, bien direct, c'était bien, bien clair de savoir que si tu disais Régent, c'est le fils d'Albert, ben tu savais que c'était, mettons, Albert 6, whatever. Parce que mon grand-père Joe s'appelait Albert aussi. En tout cas, c'est assez complexe de bien comprendre, mais c'est rattaché aussi à des événements. Puis n'ayant aucun moyen d'enregistrer la parole, il était désavantagé quand il s'agissait de préserver les faits généalogiques par les méthodes hiéroglyphes. Les différents stocks étaient représentés par des images de l'animal, des oiseaux ou autres créatures ou objets dont il était traditionnellement descendu leur totem ou leur clan. Donc, pour Odanek, ben, pendant longtemps, même moi, ça fait, comme je vous dis, ça fait quoi, 40 ans, 50 ans, j'ai toujours vécu ici, puis ça fait peut-être comme 40 ans sur 60 quelques années que j'ai finalement réalisé que le totem de la communauté, ben, c'est l'esturgeon. Donc, l'esturgeon jaune, ou c'est surtout le jaune là, qui est dans la rivière Saint-François. Donc, à ma grande surprise de voir des vieux documents qui étaient signés ou qui étaient identifiés comme ceux de la mission Saint-François de Sales, parce que c'était San Francis Indian dans le temps, on signait avec un esturgeon. Mais pourquoi l'esturgeon? C'est que si on se rapporte au temps où on vivait sur le bord de l'océan Atlantique et qu'on rencontrait les autres nations de la Wabanaki, c'était connu, comme ils disaient, « Ah, ceux-là de Saint-François, c'est ceux qui sont originaires de l'esturgeon. » Puis souvent, on se disait, ben, « Pourquoi qu'ils disent? » Même moi, je me posais la question quand j'ai découvert ça, que l'esturgeon, c'était non seulement un mets qui était mangé, dans une sorte de poisson qui était mangé dans la communauté, Puis même à ça, le poisson, l'esturgeon fumé, on n'en faisait plus ici pendant longtemps. C'était les pêcheurs à Notre-Dame-de-Pierreville qui s'approvisionnaient en esturgeon puis fumaient la viande d'esturgeon. Donc, pendant toutes ces années, malgré que j'ai ramassé plein d'informations, que j'ai appris plein de choses, mais c'est une chose qui avait été laissée de côté, à savoir que l'esturgeon, c'était notre drapeau en tant que temps. En fin de compte, c'était notre totem principal. Donc, dans l'histoire, ça se dit comme suit, c'est que des jeunes de Wabanaki, on va monter un scénario, OK, il y avait des Mi'kmaq, il y avait des Malécites, des Penobscot, une gang de jeunes qui étaient sur le bord de la rivière, puis ils pêchaient. Puis un de ceux-là aimait beaucoup toutes sortes de poissons, mais c'était plus principalement l'esturgeon. Puis
il a dit à ses chums, il dit en tout cas, il dit un jour, si je viens qu'à être me réincarner ou qu'importe, j'aimerais ça me changer en esturgeon. Donc, ses chums, ils ont dit, bon, OK, c'est comme autre chose. Je veux dire, on a chacun nos valeurs de ce qu'on veut garder. Là. Puis, finalement, un jour de printemps, tard, ben, à un moment donné, ben, ses chums, ils ont vu passer l'individu en tant que tel qui s'est rendu sur le bord de la rivière. Ils ont vu qu'il s'en allait pêcher. Puis, le jeune homme enlève ses vêtements, il rentre dans l'eau, puis ils ne l'ont plus jamais revu. Donc, ils ont dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ils ont accouru pour essayer de voir où ce qui était rendu. Puis, ils n'ont jamais été capables de le retrouver. Puis, pas longtemps après, ils ont vu un jeune esturgeon qui est venu, qui se baignait, en fin de compte, qui bougeait sur les rives de la rivière. Donc, quand on met ça dans un contexte de la langue, puis dans le contexte des croyances, etc., etc., bien, ça a fini que ceux de Saint-François font partie de ceux qui sont originaires et descendants de ce jeune-là qui s'est changé en esturgeon. Donc, c'est tout. Il y a une mythologie par rapport à ça, il y a une histoire, il y a des légendes, il y a pas quelque chose. Puis l'autre chose aussi qui est importante, c'est que de savoir, c'est que l'esturgeon, c'est comme on veut savoir son allure, là, c'est un poisson qui fait partie des poissons préhistoriques. Donc, ce n'est pas un poisson qui va vivre 4 saisons ou 7 saisons. C'est un poisson qui va vivre longtemps. Puis, mon grand-père disait que lui, quand il était, c'est-à-dire son père, c'est-à-dire l'arrière-grand-père, quand il était jeune homme, avant qu'il bâtisse des dames sur la rivière Saint-François à l'auteur de Windsor, puis en haut dans les cantons de l'Est, bien, l'esturgeon venait frayer souvent sur la rivière. C'était sa rivière principale. Puis, il mentionnait que des esturgeons là, qui avaient 5 pieds de long, là, c'était pas rare. C'était pas, puis aujourd'hui, c'est relativement... Mais l'esturgeon qui a 5 pieds de long, là, quel âge qu'il peut avoir, on ne sait pas. Tu sais, ça fait longtemps qu'il est dans le cours d'eau. Donc, c'est un poisson préhistorique. Puis l'autre lien qui est rattaché avec ça, c'est que si on tourne au sein de la Confédération Wabanaki, ça fait beaucoup de détails à digérer pendant le peu de temps qu'on a à passer ensemble, mais c'est juste de faire le lien du pourquoi qui est rattaché directement avec les Abenaki, c'est qu'on est considéré comme les grands-pères de la Confédération Wabanaki. Pourquoi les grands-pères? Ben, justement par rapport au totem. Un esturgeon, c'est préhistorique. Les Abenaki sont les grands-pères de la Confédération Wabanaki. Ça, donc, font partie de ceux des premiers qui ont créé cette alliance-là avec les groupes sur les bords de l'océan Atlantique, qui se sont nommés les Wabanaki, Wabanakiak, Wabanakial Nombak. Donc, ceux du soleil levant, de la première l'aurore. Donc, c'était un... significatif. Puis quand on signait des documents, ben, si mettons un gars, il s'appelait, tu sais, s'il avait eu un nom chrétien, il va peut-être s'appeler Paul, mais vu qu'on est, que le monde en Europe était habitué avec un nom de famille, puis il n'y avait pas nécessairement un nom de famille, ben, ça finissait, c'était Paul tout court, ou que c'était un nom en langue autochtone. Vous voyez la complexité à savoir que par la suite, en lisant le document, tu dis, ben attends un petit peu, là. C'est lequel Paul qui a signé l'entente, puis à quelle période, puis c'est-tu le fils, c'est-tu l'oncle, c'est qui faisait partie du conseil ou de l'organisation qui a signé un traité ou une entente quelconque avec les Européens. Donc, pour Danak, c'était clair, c'était l'esturgeon qui est le symbole principal. Aoulinak, je ne suis pas connaissant trop de leur signature. On voit maintenant le lynx. Mais il y a très peu, étant donné que c'est une ça a été longtemps une très, très petite communauté. Puis comme au Danak, il y avait différents groupes qui faisaient juste passer, montaient en Haute-Mauricie, ils retournaient à Québec, ils descendaient d'Allemagne. Mais la plus grosse communauté, ça a toujours été au Danak. Donc, pour Aoulinak, aujourd'hui, il s'identifie comme le lynx. Est-ce que c'est ce symbole-là, ce totem-là qui a toujours été utilisé depuis le début de la communauté?
je peux pas, j'ai pas de garantie. Je sais, je connais pas assez l'histoire de Sud Woolinac, mais pour ma communauté, l'Esturgeon. Mais un autre point important, puis c'est peut-être une question de conscience locale, conscience communautaire, conscience nationale. C'est, on a oublié beaucoup de choses par rapport à ça. Quand on fait un retour aux sources, puis qu'on apprend les différents rites qui sont rattachés à tout ça, l'affaire des légendes, l'affaire des clans, l'affaire des totems. Pourquoi qu'on a un totem? Okay. Pourquoi qu'on a un clan? Ces informations-là, certaines ont été oubliées, certaines ont été volontairement oubliées, d'autres ont été oubliées par manque d'intérêt ou tout simplement parce que le monde ne savait pas. Donc, l'esturgeon, aujourd'hui, on en fume dans la communauté pour sa chair. On va la vendre, on va en manger. Mais est-ce que le monde a oublié que tu ne peux pas manger ton totem? Tu ne peux pas manger ton clan parce que c'est tabou, d'après les traditions. Donc, un autre exemple, on va aller dans le concret. Moi et sa sainte, on s'est mariés, ça va faire 2 ans au mois d'août. On est de 2 clans différents. Moi, je suis du clan de la tortue, puis elle est un autre clan, exemple. C'est correct de se marier parce que ce n'est pas considéré comme de l'inceste spirituel. Ce n'est pas un tabou. Donc, 2 personnes du même clan ne peuvent pas se marier. C'était pour empêcher la consanguinité. Quand on regarde ça, on a dit, même si on était considérés comme des païens, puis une gang de sauvages, comme on dit, c'est une butte, puis ils ne sont pas organisés, etc., etc. Ce n'était pas le cas. Le système de clan servait à empêcher justement l'inceste au sens grave et la consanguinité. Parce qu'à un moment donné, ben, c'est sûr que si tout le monde se marie entre eux autres pendant 200, 300 ans, là, il ne reste plus d'individus en santé après un certain temps. Donc, puis ça a été une raison principale pourquoi que on s'est marié avec du monde d'Europe, mais on le savait bien que si on ne faisait pas ça, là, aujourd'hui, on n'existera plus du tout. Donc, et même ceux qui se sont mariés avec nous autres, qui sont Écossais, Irlandais ou qu'importe la nationalité, eux autres aussi, leur lignée serait éteinte. Donc, la signature des Autochtones ressemble toujours à un animal. Là, on voit un esturgeon pour nous autres. D'autres vont faire un lynx, d'autres vont faire un loup, vont faire... qui choisit, puis ça change jamais. Donc, un exemple, en 1713, un traité a été signé par les chefs. Chacun faisait des marques liées descriptives d'un poisson, d'un oiseau, d'un animal revendiqué, comme insigne de leur famille respective. Le même homme n'utilise pas toujours la même marque. Les Européens ont remarqué qu'il y avait un problème parce que c'était pas toujours la même marque. Ils ne peuvent représenter aucun être vivant. Le traité de 13 juillet 1713 a été signé par 8 hommes, parmi lesquels Bomazine. Pourquoi je vous parle de Bomazine? C'est Bomazine, c'est mon ancêtre. C'est l'ancêtre de tous les Obomsawin. C'est que le nom a passé de Bomazine. Il vivait à Norridgewock, dans l'État du Maine, pas loin de Skowhegan. Quand vous prenez la route pour traverser les lignes à Jackman en Beauce, aussitôt que vous tombez dans l'État du Maine, pas loin de Skowhegan, vous allez voir Norridgewock. Donc, on était des Obomsawin, dans le fond, on faisait partie des Norridgewock. Mais, comme je vous dis, on ne peut pas rentrer là-dedans, parce que c'est complexe, même, comme on dit, j'en perds mon français, là, pas mon latin, parce que je ne connais pas assez le latin, mais c'est tellement complexe, les groupes et les sous-groupes, à un moment donné, on ne sait plus. On sait que c'est tous des Wabanaki, mais dans le fond, aujourd'hui, si on met ça dans quoi de moins complexe, 5 familles sont arrivées au Québec. Ils se sont mariés avec d'autres familles. Maintenant, bon, on a, je ne sais pas moi, 10 000 familles avec 10 000 noms différents. Ben, dans le fond, c'est la même chose par rapport à ce qui s'est passé.
Donc, Bomazine, c'était le premier. C'était un chef de guerre qui s'est battu auprès du père Aubéry et par la suite le baron de Saint-Castin contre l'invasion des Anglais sur le territoire ancestral en Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-France qui est devenue la Nouvelle-Angleterre. Donc, à un moment donné, il y a eu une attaque sur la communauté de Narotiwak par les Anglais et leurs alliés Iroquois. Tue beaucoup de monde, tue le missionnaire, puis blesse Bomazine gravement. Puis, en sa légende, si vous faites une recherche sur Internet sur Bomazine Lake, Bomazine, il y a même des organisations scouts, vous avez des batchs par rapport au camp Bomazine, la batch de bravo de Bomazine. C'est vraiment une légende dans l'État du Maine, dans la région de Narotiwak. Donc, on perd Bomazine dans l'histoire. Comme je disais, au fil des années que je faisais des recherches sur mon ancêtre, à un moment donné, on le retrouve, ça c'est aux périodes de 1700, mettons, 20. À un moment donné, on le perd, comme je disais tantôt. À un moment donné, on le retrouve dans l'État du Vermont. Puis là, le nom, c'était François-Xavier à Bomazine. Donc, il avait rajouté un A en avant de Bomazine. Mais c'était François à Bomazine. François-Xavier. Donc, on voyait l'influence jésuite qui se continuait sur le territoire. Il a signé une entente de location pour un territoire pour les Abénakis de Missisquoi. Pour des agriculteurs. Donc, on retrouve probablement un fils à Bomazine parce qu'ils disent que Bomazine lui-même est décédé pas longtemps après, mais comme toute famille, il y a eu des enfants, comme tout bon père de famille. Donc, on retrouve donc c'est Bomazine à Bomazine. Après ça, c'est Obomzawin avec un Z, puis Obomzawin qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, ma famille est à Odanak depuis peut-être 1770, 1780. Parce qu'on a voyagé partout sur le territoire. Puis, mon grand-père, après sa mort, je vérifiais des documents qu'il avait écrits. Puis, à un moment donné, mon grand-père, il disait, c'était marqué Joe Nponsawino. Puis là, j'ai dit, comment ça se fait qu'il dit? Voyez encore la complexité. On part de Obomsawin, de Bomazine à Bomazine, Obomsawin. Puis, mon grand-père signait Nponsawino. Puis là, j'ai dit, comment ça se fait qu'il signe une Nponsawino. Après ça, j'ai demandé à du monde qui parlait la langue, parce que moi, je ne la parle pas, je la pratique pour la prière, différentes choses, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance de grandir dans la langue pour plein de raisons, puis tout le monde avait des raisons valables du pourquoi. Puis aujourd'hui, au moins par respect, tu l'utilises pour des cérémonies, des prières. Donc, je demande à justement, les cours de 1990 avec Cécile Wawenelet, j'ai dit Nponsawino, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit le N, je sais que c'est Nia, I, je. Il dit Nponsawino, elle dit celui qui organise une défense, celui qui, le mot général, puis là j'ai fait le lien, pourquoi qu'il disait que Obomsawin, ça veut dire le scout, le firekeeper, le gardien de feu. Le guide, celui qu'on envoie en avant. Puis là, j'ai compris que l'éclaireur qu'on envoie en avant, juste avant une confrontation, lui, il va être capable de dire, il y a tel genre, il y a tel groupe de soldats ou de guerriers qui sont là, en fin de compte, d'être capable de repérer les forces de l'autre groupe. Donc, mon nom, dans le fond, ça devrait être Réjean Ponsawino. Vous voyez, ça change relativement beaucoup. Donc, c'est tous des points qui sont bien, bien, bien importants à comprendre. Puis, je vous invite aussi, comme d'habitude, de scruter dans votre histoire familiale, dans la tradition orale. Des fois, vous allez trouver, ce n'est pas des indices écrits, des fois, ça peut être un objet. Ici, dans la communauté, par rapport au clan, parce que là, je faisais des quand j'ai découvert les racines de mon nom de famille par rapport au clan et les totems, je me suis mis à vérifier pour d'autres familles, dont les Wawanolettes. Pourquoi? Parce que mon arrière-grand-mère était une Wawanolette. Donc, je regarde les écrits. À un moment donné, je vois une photo d'un aîné Wawanolette, Wahanolette, parce qu'initialement, le vrai nom, c'était Wahanolette et pas Wawanolette.
Puis je vois que l'aîné, sur sa veste, avait sculpté un profil d'un loup qu'il a mis sur sa veste. Puis là, ma question était, puis le monsieur est décédé, ça fait longtemps, hein? C'était de l'âge de mon arrière-grand-père. Donc, la question maintenant à savoir, est-ce que les Wahanolet, cette lignée-là, c'est leur clan, c'était le loup? Donc, ça reste en suspens à savoir si, à un moment donné, ils ont l'intérêt de... ou quelqu'un peut-être a des indices au sein de la famille qui pourrait mentionner ça, ou tout simplement que le loup, c'était l'aide spirituelle de la personne qu'il portait. Donc, vous voyez, il y a toujours une certaine complexité par rapport à ça. Donc, les clans, les totems, puis le totem, bien, naturellement, si on parle de ça comme de quoi de tous les jours, bien, le totem, c'est un arbre sculpté qu'on retrouve surtout dans... Ben, on voyait, ça a été... ça a inspiré nos grands-pères, nos artistes dans la communauté parce qu'ils ont visité l'Ouest canadien. Puis, ils sont allés à Vancouver ou dans la région, puis ils ont vu des immenses arbres, là, des gros cèdres, puis ils ont trouvé ça magnifique de voir ce genre de créativité, puis de l'importance, parce que les totems, c'est pas seulement une création artistique, ça a un lien avec les croyances, avec la spiritualité, etc., etc. Donc, Adrien Panady, Théophile Panady, quand ils sont revenus au Danak, parce qu'à Danak, comme dans la majorité des communautés autochtones, bien, le monde était pauvre. Ils vivaient de ce qu'ils pouvaient fabriquer en artisanat, des petites babioles. Des... Puis à un moment donné, bien, il a dit, hey, on va commencer à sculpter les totems. Puis ils se sont aperçus qu'ils ont commencé à sculpter des totems, plus particulièrement autour de l'église, parce que le missionnaire du temps, Jérémy Dolin, il y avait plein d'arbres alentour de l'église. Puis, Rémi, il approche Théophile Panady et Adrien, les deux sculpteurs connus de la communauté. Puis là, il dit, écoute, il dit, mes arbres, les arbres qu'on a, puis les arbres alentour de l'église, il y en a qui meurent. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Au lieu de mettre la scie mécanique dedans, puis en fait du bois de chauffage. Donc, après... réflexion, les trois ensemble, puis parlaient avec d'autres aînés de la communauté, puis ils ont dit, hey, Adrien, Théophile, pourquoi vous ne sculptez pas ces arbres-là? Donc, dans les années 70, à Odanak, il y avait peut-être quoi, 8-10 arbres qui étaient sculptés alentour de l'église. C'était quasiment comme un chemin de croix. Le monde qui venait visiter la communauté, il venait à l'église le dimanche, parce que dans ce temps-là, on avait encore l'église des messes là, deux fois par jour, là, les fins de semaine. Puis durant la semaine. Donc, c'est devenu une popularité d'aller visiter la communauté puis d'aller voir les totems. Dans les totems, on pouvait retrouver un totem d'Adam et Ève, des totems d'un ours, la tortue, différentes choses. Donc, nos parents se sont aperçus que ça pouvait être lucratif de fabriquer, de sculpter de telles pièces qui requièrent une semaine, des fois deux semaines, trois semaines de travail. Pour être capable de sculpter, tout dépend du diamètre puis de la longueur du tronc d'arbre qu'il faut sculpter. Mais, un mât totémique. Dans le fond, chérie, dans l'Ouest canadien, ils vont appeler ça un mât totémique pour prendre plus le vrai nom, le vrai terme. Donc, c'est à caractère sacré. Souvent, le monde va l'associer avec une religion, mais dans le fond, les traditions, les cérémonies autochtones, ce n'est pas une religion, ce n'est pas dogmatique. Donc, c'est spirituel. Puis, c'est là quand on dit une prière, ben, avec l'influence de l'Église catholique ou qu'importe, on dit prière, mais dans le fond, on devrait dire une incantation. Mais si on dit ça au sens large, le monde, ils vont dire, qu'est-ce que tu vas faire une incantation? Puis, le monde associe ça tout le temps avec... le paganisme, la sorcellerie, etc., etc. Donc, c'est drôle que, dans le fond, le vrai terme, ça serait une incantation et pas une prière, quand on dit on fait une prière d'ouverture, mais une incantation d'ouverture.
Donc, avez-vous des questions? Il y en a une. Oui, sur l'image de tout à l'heure, de ton Indien, tu disais qu'il y avait deux plumes. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Il y a comme une couleur. OK. Ce qu'il y a, c'est que... Puis aujourd'hui, je le comprends du pourquoi. Dans le temps, je me demandais, moi aussi, je dis, voyons là. C'est que sur, il y a une sculpture qui a été créée par Théophile Panazzi dans le terrain de l'église, puis il montrait un Abénaki avec la main levée, puis il était à côté de sa femme. Puis il y avait ce genre de coiffe-là. Mais c'est ce qu'il appelle une hure. C'est fait avec du... Puis on voit ça dans les parois maintenant, qui est fabriqué avec du poil de chevreuil, de la queue de chevreuil, puis du poil de piquant de porc-épic. C'est coloré de différentes couleurs. Puis, l'autre chose, c'est que Théophile Panadi, sa mère était une Wendat, une Huron. Mais la Huron, s'est rattachée à ça. Donc, c'était rattaché à une coiffe bien particulière. Mais il n'y avait pas seulement les Wendat qui portaient ça, mais plusieurs nations qui avaient ce genre de décoration-là. Donc, c'est une hure, mais plus petit format, là, si on compare avec celle qu'on voit aujourd'hui. Merci, Huguette, pour la question. Est-ce que c'est tous les autochtones hommes qui portaient ça ou c'était simplement quelques-uns? Ce n'était pas tout le monde qui portait ça. Un exemple, nous autres, on avait Théophile, comme je vous dis, parce que sa grand-mère était Wendat, était Huron, qui fait partie de la société des nations iroquoises. Mais pas tout le monde à Odanak. Au sud de la Wabanaki, on ne portait pas ça. Ils portaient plus la coiffe, comme on dit, peut-être un bandeau avec des plumes droites sur la tête et pas un grand panache là, qui descend sur les épaules. Parce que souvent, on fait des jokes par rapport à ça. On dit, on vit dans le bois, puis tu traverses le bois à travers les pépites, les framboisiers, les murons, il ne te reste plus une plume, mais que tu arrives là-bas. Bord. Dans les plaines, il n'y a pas d'arbre. Ça veut dire que tu peux te permettre de voyager librement. Mais puis ces chapeaux-là étaient portés lors d'occasions spéciales ou spirituelles ou nationales. Mais la hure en tant que telle, aujourd'hui, c'est rendu la mode pour les danseurs traditionnels de porter une hure. Souvent, puis c'est important, que le danseur va les fabriquer lui-même. Puis c'est beaucoup de travail. C'est pas de quoi de simple à faire. Puis il y en a sur la représentation, ce que Théophile a fait sur les sculptures, puis ce qu'il y a sur le drapeau, la hure, elle se porte plus près du front, mais pour nous autres, les Abénakis, la hure était plus derrière, parce qu'on avait les cheveux rasés. Puis on avait seulement les cheveux derrière, puis la hure était attachée après la... Dans le fond, Patrick a la coupe de cheveux traditionnelle. La hure était attachée après sa couette dans le haut de sa tête en arrière. Donc, vous voyez, même de la manière que c'était, comme on dit, qu'elle était posée, qu'elle était installée, si on peut dire ça, bien, c'est différent des danseurs aujourd'hui parce qu'ils apportent plus près du front, puis en tout cas, c'est tous des détails, là. Puis, ça reste à la... À, comment je pourrais dire ça? Au goût de la personne, du danseur ou de la personne qui veut porter ça. Est-ce que je peux manger? Oui. S'il te plaît. Bien, vous voyez, là, je porte le genre de coiffe qu'on porte sur la côte est. Moi, c'était des plumes de héron. Ah, ouais. Et puis, c'est imitation de wampum, les perles sur la bande perlée, avec une collerette, puis mon totem qui est la tortue sur la collerette. Puis, on retrouve naturellement l'esturgeon. Et du côté de chaque côté du morceau, on voit que ça ressemble à des éclairs. Hein. Mais dans le fond, c'est qu'un esturgeon, il y a comme des pics. Ça représente, en fin de compte, le corps de l'esturgeon. Puis les plumes, pour être capable de donner encore plus de détails, pour être plus descriptif, c'est que vous voyez que les plumes, ils vont à l'extérieur. Donc, quand on place des plumes à l'extérieur, c'est qu'on adopte, on absorbe des connaissances, on
Tandis que quand on les porte sur l'autre côté, excusez, c'est le contraire. Donc, on donne de l'enseignement. Puis si je les porterais à l'envers, vers l'arrière, c'est le contraire. Donc, c'est le même principe avec la double courbe. Quand on a la double courbe qui va à l'extérieur, c'est qu'on donne de l'information. Puis, c'était brodé au tissu sur nos mocassins ou nos vêtements. Ça veut dire que quand on voyait ça sur quelqu'un, on savait que cette personne-là était en quête d'information ou la personne était une personne qui est là pour donner, de transmettre de l'information. Donc, puis le wampum, la représentativité des symboles que j'ai sur la parure, ben, ça représente 5 losanges, 5 diamants. Puis ça représente une ceinture de wampum qui est toujours entreposée au séminaire, aux archives de Nicolet. C'est une ceinture qui était sous l'église catholique à Odanak. Quand ils ont transféré les corps des missionnaires, parce qu'auparavant, ils les enterraient en dessous d'église, s'ils n'étaient pas dans le caveau au cimetière. Là. Puis à Odanak, on n'avait pas de caveau. Donc, ils enterraient les notables ou ces personnes-là sous l'église. Et un de ceux-là avait une ceinture de wampum semblable à ça, mais en perles de coquillage et pas en perles de verre qui était placée avec le corps. Donc, le corps a été transféré dans le cimetière catholique. Ils ont enlevé la ceinture de wampum quand ils ont remarqué. Puis, comme on dit, le caveau, c'est un caveau en pierre, en ciment. Donc, il restait seulement, j'imagine, les quelques fragments des os, puis la ceinture. Donc, ils ont pris la ceinture, ils l'ont amenée au séminaire de Nicolet, puis maintenant, le séminaire de Nicolet dit que ça leur appartient. Puis, à un moment donné, j'ai eu à communiquer avec eux autres, puis ils disaient, prouvez-nous que c'est à vous autres. Je ne pense pas que vous avez amené du wampum d'Europe, anyway. Puis après ça, ils ont dit, là, si on parle d'argent, j'ai dit, OK, c'est toujours une question de pièces. C'est pas possible. C'est comme, que si tu veux, je te donne 1 million pour me racheter ce qui m'appartient. C'est là qu'on voit que, en tout cas, le monde a des drôles de valeurs des fois. Puis pourquoi qu'on n'aura pas le droit de la ramener dans notre communauté puis la mettre en montre au musée pour que tout le monde la voie? Parce que présentement, où ce qui est entreposé n'est pas à la vue de tout le monde. Là. Puis, il ne sort pas tout le temps parce que ça tente de l'avoir. Donc, ce n'est pas vraiment puis l'enseignement de ça. Puis, on oublie par rapport au wampum la signification. L'autre chose par rapport à ma coiffe, on n'est pas obligé de revenir sur la photo, non, c'est correct, c'est que tantôt, quand vous avez mentionné que j'ai la tortue sur ma collerette. Pardon? Ah oui, si tu veux. Puis, OK, donc, la raison pourquoi que je porte des plumes de héron, c'est que le héron fait partie de mon être spirituel. Ça peut être un autre clan, mais un clan spirituel qui se rattache par rapport à mon enseignement, par rapport à mes responsabilités en tant que chef spirituel. Puis la raison du pourquoi, c'est que il y a à peu près 40 ans de ça, je marchais dans ce qu'on appelle la commune, un boisé près de la rivière. Et puis, j'avais déjà vu des hérons. Un héron, c'est immense. Ça a peut-être des fois 2 pieds, 3 pieds pour une aile. Ça veut dire que c'est vraiment immense, ça va voler. Puis, c'est pas vraiment gracieux, mais c'est comme un B-52 de l'armée. Là. C'est un gros oiseau. Puis, un moment donné, j'en vois passer un. Il y avait un éclairci. Là. J'étais assis dans le bois, puis je relaxais. Un moment donné, je vois passer un héron. En Angabeneki, c'est Casco. Donc, un héron, 2 hérons. Mais j'ai vu passer 7 hérons dans l'espace de 1 heure et demie quand j'étais là. Donc, j'en ai parlé à celui qui m'enseignait, David Jehu, puis c'est là qu'il me dit, le héron, c'est un des êtres spirituels quand tu vas faire les cérémonies. Donc, j'ai porté une bonne attention là-dessus, puis sérieux, parce que j'en avais déjà vu, mais je ne pensais pas que ce serait qui aurait un lien avec moi. Mais ce qui est spécial, même aux plumes que j'ai sur ma coiffe, qu'on vous a montré tantôt, une anecdote
Jacinthe et moi, on venait de se retrouver, ça ne faisait pas longtemps, 2014-2015. À un moment donné, on s'en allait vers Longueuil sur la 30. Et puis, on voit qu'il y a un héron qui vole, puis on s'aperçoit qu'il y en avait un autre qui était à terre. Puis, celui qui était à terre, son aile faisait ça au vent. Puis là, on s'est dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? On a resté à Jacinthe, il y a de quoi qui... Il y a une signification. Ça, un héron ne fait pas ça pour le... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dépassé un petit peu, puis là, avec beaucoup de comment je pourrais dire, d'attention, pas se faire blesser, se faire entrer dedans, comme on dit, ben, on a reculé l'auto. Puis j'ai dit à Jacinthe, il faut qu'on aille le ramasser, puis il faut l'apporter. Pourquoi? Parce que le héron nous fait une... nous veut nous dire de quoi. Donc, on a ramassé le héron, puis l'autre héron volait au-dessus. Donc, on s'est demandé probablement que c'est le mâle ou la femelle qui a été frappé. Donc, c'était comme... puis en l'honneur du héron, bien, on a déposé du tabac à l'endroit, puis on a ramené les plumes. Donc, j'ai récupéré les plumes de cet oiseau-là. Mais je n'ai pas tué le héron. Je n'ai pas... Comment je peux dire ça? Je n'ai pas fait exprès de dire on va en tuer un pour ramasser des plumes, puis en l'honneur du héron, mais c'est la raison pourquoi que je me sers de ces plumes-là sur ma coiffe, puis aussi avec une aile, un bout d'aile, bien, je me sers de ça comme un fan là, pour quand je fais les cérémonies de la loge de sudation. Donc. Patrick, il y avait une question. Oui, Patrick? OK, ben, je vais juste te demander si les plumes d'aigle chez les Abénakis, si chaque plume d'aigle, le héron, ben, je comprends très bien, là, mais si les plumes d'aigle étaient méritées chez certaines nations, si tu reçois une plume d'aigle, c'est parce que tu as fait quelque chose de spécial en dedans de toi ou pour les autres. Peut-être la première question, ça serait la plume d'aigle, est-ce qu'elle est importante chez les Abénakis? La deuxième, bien, faut-tu comme la mériter? C'est ça mes deux questions. OK. Merci, Patrick. C'est très pertinent. Puis je trouve ça le fun avec vous autres parce qu'on a une aisance, puis on a une familiarité. Là, on est bien à l'aise de se poser des questions. Puis ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres circonstances. Hein. L'aigle est important pour toutes les Premières Nations, partout, puis tous les êtres humains, dans le fond, parce que qui n'aime pas voir un aigle voler et que c'est majestueux, que ce soit un petit. Et les aigles royales, c'est incroyable, là, ça a trois pieds d'aile à chaque bord. C'est comme, ils peuvent partir avec un jeune veau. Donc, c'est immense. Si on compare avec le condor, c'est la même chose. Donc, oui, c'est sacré pour les Abénakis, mais je dirais pas pour toutes les Abénakis parce que le monde, ils ne croient pas. Ils ne croient pas à ça. T'sais, c'est comme, ça fait partie du paganisme, ça fait partie de l'ancienneté. Puis c'est leur droit, t'sais, c'est leur choix qu'on ne croit pas à ça. Comme je disais, ouais, c'est un choix personnel, mais c'est pas... si le monde a perdu les connaissances puis le respect par rapport à l'aigle en tant que tel, puis la plume d'aigle, ils vont voir quelqu'un porter une plume d'aigle. Ils vont dire, « Oh, c'est beau, Patrick, ce que tu as, t'es donc bien chanceux, tu paras bien avec ça. » OK. Mais ce n'est pas juste de porter une plume d'aigle. Ce n'est pas l'habit qui fait le moindre. C'est littéralement ça. Donc, puis l'autre chose, oui, effectivement, c'est d'avoir participé à un événement spécial, d'avoir... sauver quelqu'un de la noyade. Tu sais, aujourd'hui, ils donnent des médailles de bravoure au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, l'Ordre du Canada, ou qu'importe. Mais pour nous autres, c'était ça, mais ça ne s'arrête pas là. C'est, tu dis, OK, on m'a donné une plume, c'est beau, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Après, OK, t'as sorti pour les événements spéciaux. Tu peux-tu la mettre quand tu vas aller prendre une bière à Brasserie? Tu vas t'apporter? Tu vas l'accrocher au mur pour avec tes trophées de jouer au hockey à pétanque puis à. Pas qu'importe.
OK? Parce que tu as mérité ça, tu sais. Ça reste à la discrétion de chaque personne, mais quand on fait un retour si on se réfère au sacré, bien, cette plume-là, elle doit être enveloppée dans un tissu rouge, elle doit être serrée, puis la sortir seulement lors d'événements spéciaux, comme pour une prière, pour une incantation, etc., etc. Mm-hmm. Et puis, donc, aussitôt que tu avais la responsabilité de faire un geste, de porter un geste, du pourquoi que tu as mérité la plume d'aigle. Mais après ça, ta job, ton travail commence. Ça veut dire que là, c'est de trouver quelqu'un qui peut t'enseigner pour savoir quoi faire avec ta plume d'aigle, comment en prendre soin, la purifier, comment on dit ça, l'habiller, la décorer, parce qu'on ne laisse jamais la plume d'aigle seulement sur son... comment je pourrais dire ça, le goût. En peine, je pense. Pardon? En peine, je crois. En peine, je pense que c'est ça. Okay. Je pense. Merci. Donc, si tu veux la placer sur le mur, tu vas la placer pas dans le salon, mais tu vas plutôt soit l'envelopper ou tu peux la laisser dans ta chambre à coucher quand tu dors. Ou que si tu es quelqu'un qui dit, moi, tous les matins quand je me lève, j'ai le goût de me purifier, puis je prends ma plume d'aigle. Tu peux la laisser à proximité, mais ce serait important de la laisser dans le tissu rouge parce que ça absorbe les choses. Faut toujours la garder purifiée, comme on dit, parce que l'aigle, c'est celui qui apporte nos prières au Créateur. C'est celui qui nous enseigne plein de choses. Jusqu'au jour où que tu rencontres quelqu'un dans un événement anodin que tu n'aurais jamais pensé, tu vas dire, je vois cette personne-là. Oui, il faut que j'y donne la plume d'aigle que j'ai. Pourquoi? Parce que tu sens, dans ton cheminement personnel, spirituel, tu vas ressentir des choses si tu suis les règles, naturellement. Tu vas sentir un besoin de transmettre cette connaissance-là. De dire, je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé il y a à peu près 15 ans. Il y avait quelqu'un qui m'avait donné, à un moment donné, je pense que j'avais comme 40, 50 plumes d'aigle. Différentes personnes venaient ici, ils m'en donnaient, puis ils disaient, Régent, j'en ai, qu'est-ce que tu fais? Là, j'étais content, j'ai dit, mais là, c'était une moyenne job, parce que là, il fallait que je les purifie, que je les purifie régulièrement, que je vérifie qu'il y a ceux qui n'ont pas de mythes, de bébites avec, puis en tout cas. Puis à un moment donné, il y a un gars qui est arrivé, il dit, Patrick, sont belles tes plumes d'aigle. OK, tiens, prends-les. Parce qu'il y a une manière qu'un aîné va te le dire direct, ou quelqu'un que tu sais qui est en tradition, il va dire, sont belles tes plumes, t'es vraiment chanceux. OK, mais maintenant, c'est ta responsabilité d'en prendre soin. Donc, la personne est partie avec mes 50 queues de plumes, mais là, j'avais plus à m'inquiéter. J'ai-tu oublié de les purifier? Les ai-tu serrés à la bonne place? Les ai-tu déplacés ou est-ce qu'ils étaient asserrés? T'sais? Parce que dans le temps, il y avait des enfants à maison. Puis les garder loin. Les plumes d'aigle, on ne les sort pas quand quelqu'un est en état d'ébriété ou vous-même. Vous ne vous servez pas d'une plume d'aigle en état d'ébriété ou bien me prendre une petite pof non plus. Ça ne marche pas. Donc, puis s'assurer que il n'y a pas personne dans un état d'ébriété qui va fouiller dans ton garde-robe et qui dit Patrick, j'ai trouvé une belle plume ici. Mais on ne panique pas. On dit OK, remets ça là, tu purifies la plume, puis tu resserres. La personne, peut-être, elle ne sait pas pourquoi. Puis tu n'es pas non plus pour mettre une barrure après ta porte de chambre, ta porte de garde-robe, puis voyons, on n'est pas dans le. Tu n'es pas à l'église là, avec le calice, le ciboire qu'il faut serrer parce que bon, on va te le voler pour aller le vendre. T'sais. Puis, si quelqu'un vole ta plume d'aigle puis il met ça sur Internet à vendre, il y a des grosses chances que la police va se ramasser sur son perron puis le gars va faire du temps parce que tu n'as pas le droit de vendre des plumes d'aigle. Donc, vous voyez l'aigle, l'importance du symbole.
Ouais, est-ce que ça répond à ta question? C'est un petit peu plus long que prévu, comme d'habitude. Non, mais c'est le fun. C'est le fun parce que je ne veux pas prendre de ton temps parce que c'est toi l'orateur, là, mais ce que tu dis, ça correspond beaucoup, beaucoup à la manière puis aux raisons qu'on m'en a donné une puis à l'utilisation de ça. T'sais. Alors, je trouve ça bien, bien le fun. Ouais. Alors, ben, je te résume ça de même. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. C'est la raison pourquoi je suis là. Puis l'aigle, ben, ça fait partie d'un clan, ça fait partie de plein de choses. Mm. Puis c'est parce que si on s'en tient juste à la base, ben, c'est pareil comme si on sait tout ce qui est rattaché à ça, puis on n'a pas de questions. Ben, des fois, après ça, quand l'intervention ou la visite est terminée, là, tu as 4-5 questions, tu dis, bon, j'aurais dû demander ça, je n'ai pas pensé, tu sais, ça m'intrigue, mais là, pour éclaircir, puis on est là pour enseigner puis partager. Donc, c'est important de le mentionner. L'autre chose aussi, par rapport à la plume d'aigle, pour finir, c'est que, si, mettons, vous êtes à l'extérieur, ou, ben, tu sais, on va se mettre dans un contexte d'une fête d'un parloir, des fois, les danseurs, vous allez en voir qui vont avoir un nombre incroyable de plumes après leur habillement. Puis une plume tombe par terre. Je ne sais pas si j'avais déjà été témoin de ça. Si c'est un power traditionnel, bien, tout arrête. Les tambours arrêtent. Tout le monde arrête de parler. L'aîné ou le maître de cérémonie s'en vient. Il voit qu'il y a une plume à terre. Un danseur pointe avec soit sa lance ou un bâton avec une patte d'aigle ou avec un autre, avec une aile d'aigle, qu'une plume qui est tombée. Puis là, ils font un chant d'honneur parce que ça représente un guerrier qui est tombé. Pour les danseurs, c'est comme quelqu'un a perdu la vie parce que certaines de ces personnes-là qui vont recevoir une plume d'aigle, soit ils ont péri lors de guerre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est représenté comme si c'était un des guerriers qui est mort sur le champ de bataille. Donc, l'arrêt tout, le danseur principal avec ses aides vient entoure la plume. Il va avoir un chant spécial pour ça pendant un certain temps. Puis, l'aîné va prendre la plume, puis soit qu'il va la transmettre à quelqu'un d'autre ou il va la garder pour en prendre soin. Mais c'est une leçon pour tous les autres danseurs de dire, bien, assurez-vous tout le temps que vos plumes sont bien accrochées. Parce que si quelqu'un danse et qu'il y a des plumes qui tombent à toutes les 20 minutes, là, ça veut dire qu'à un moment donné, bien là, non, tu vas sortir, tu appelles de l'aréna, tu vas sortir de la place de danse, puis serre ton costume, parce que là, comme celle-là, tu ne fais pas attention à ce que tu as. Puis il y a une leçon là-dedans, puis l'aîné peut prendre littéralement les plumes d'aigle du danseur, puis les retirer, puis dire, fini. Tu sais, la journée que tu vas les remériter, ben, on pourra te les donner, mais jusqu'à ce moment-là, ben, on n'est pas rendu là. Donc, je n'ai jamais vu ça, une chance à date, là. Mais quand c'est arrivé la première fois, j'étais à Ottawa, au Power d'Ottawa, puis, pardon, je ne vous mens pas, il y avait à peu près comme 200 danseurs dansait, puis c'était un grand camping, là, un grand champ. Puis, il y avait peut-être quoi, je ne sais pas combien, peut-être 4, 5, je pense qu'il y avait 6 tambours qui jouaient en même temps pour la même tune. Ça veut dire que c'était vraiment là, spécial comme effet. Puis, quand c'est arrivé, là, on pouvait entendre, ça allait bizarre, on pouvait entendre une mouche voler quand c'est arrivé. Là, tout le monde, le sérieux, que ça a tombé d'un coup sec parce que les danseurs, hommes et femmes, tu sais, ça danse, ça sourit, ils ont du plaisir. Puis là, c'est comme vraiment solennel. Il y a quelqu'un qui est mort sur le champ de bataille. Si on regarde littéralement l'historique puis le lien. Donc, tout a arrêté. Puis c'était vraiment spécial. Donc, ça, c'est pour une plume. Ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas attention. Puis aussi, l'autre chose, c'est jamais brûler une plume dans un feu. Quelqu'un va dire, puis la raison pourquoi, c'est qu'il y a quelqu'un, les ancêtres vont venir chercher quelqu'un. Peut-être qu'ils vont venir te chercher toi, ou ils vont venir chercher quelqu'un.
parce que c'est vraiment un manque de respect envers l'aigle, là, c'est capital. Là. Ça veut dire qu'il y a danger que quelqu'un va perdre sa vie parce que si tu brûles une plume d'aigle volontairement, ils vont dire bah, c'est juste des vieilles croyances de païennes. Mais je ne pense pas qu'il y a personne de vous autres qui va l'essayer pour le fun, savoir si ça marche. Mais tu as du monde qui vont. L'être humain est curieux, mais malheureusement, nous autres, au fil de notre vie, on est pas mal tous. On n'a plus 20 ans. Là. Puis il nous est arrivé des choses dans la vie. On s'est enfargé, on a tombé, on s'est relevé, on s'est blessé. Puis on ne voudra pas vivre de quoi de semblable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Huguette. Bon, pour les plumes, bon, tu as expliqué pour les hommes qui portent la plume. Pour les femmes, est-ce qu'ils en portent? C'est-tu la même signification? Oui, les femmes, ce que j'ai vu à date, parce qu'on pourrait parler d'ailleurs, mais dans ma communauté, les femmes portent la plume d'aigle aussi, puis ils vont en porter seulement qu'une. Soit sur le côté ou tout à fait au centre de la tête derrière. C'est pas parce que les femmes sont moins importantes. Il faut bien se comprendre. C'est pas ça. Vous êtes celles qui avaient un lien direct avec la Terre-Mère. Vous êtes celles qui donnent la vie comme la Terre-Mère. Donc, vous êtes l'homme et la femme, c'est des êtres sacrés, mais la femme étant, je ne veux pas dire plus sacrée, mais oui, d'un côté, parce que nous autres, les hommes, on ne donne pas la vie. On protège la vie, mais on ne donne pas la vie. Donc, les femmes n'ont pas besoin d'avoir là, 40 000 plumes d'aigle sur eux autres. Là, parce que vous êtes en prière tout le temps. Puis tout au long de votre vie, par rapport à ce qu'on disait tantôt, au cycle de 28 jours, à chaque fois que vous pouvez donner naissance à un enfant tous les mois, donc, vous passez peut-être quoi, 40 ans, 50 ans dans ce temps de grand pouvoir, comme on dit, parce que vous avez le pouvoir de donner la vie. Et après, quand la ménopause est terminée, bien souvent, les femmes qui ont eu des plumes d'aigle ou qui veulent faire des cérémonies, ou c'est après ça qu'ils peuvent commencer à faire des cérémonies. Mais tout le temps que vous pouvez donner naissance à un enfant, c'est voué à votre enfant, voué à votre famille, puis vous n'avez pas, comme on dit, là, vous n'avez pas à partir avec votre chainsaw, votre hache pour aller fendre du bois. Là. C'est la job des hommes. Puis c'est pour ça que les tâches étaient bien réparties également. Puis aujourd'hui, ce que le monde en a fait, c'est plate parce que il ne donne plus autant de respect à la femme comme pour celui de l'homme. C'est comme une est meilleure que l'autre. Puis aujourd'hui, on retrouve ça, là, on rentre dans des détails qui sont, mais c'est important de le dire. Quelqu'un va dire, moi, je suis du clan de l'eau, je suis bien plus bon, puis bien mieux, puis plus beau que toi, parce que toi, c'est du clan de la loutre, un exemple. Non, tu n'es pas moins, puis tu n'es pas plus. C'est qu'on devrait travailler ensemble parce que tous les clans devraient se rassembler. Puis après ça, bien, ça déteint d'en dire « ben moi, je suis plus indien que toi parce que moi, c'est ma mère, puis toi, c'est moi parce que c'est ton père. » C'est quoi l'affaire, là? Bien, c'est là qu'on voit la question de l'influence destructive de la loi sur les Indiens qui a été créée pour qu'on chicane toute la gang ensemble puis qu'on se détruise l'un l'autre. C'est incroyable, ça n'a pas de sens. Moi, je me rappelle, il y a peut-être quoi, ça fait plusieurs années, j'avais été à l'école à Pierreville, puis nous, on n'a pas d'école dans la communauté. Puis je parlais avec un professeur, le professeur, il me dit, c'est rendu que les jeunes d'Odanak se chicanent. Ils ont 7 ans, 8 ans, puis ils disent, moi, je suis plaisir toi, puis moi, c'est ma mère, puis toi, t'es moi, parce que c'est ton père, puis ta mère est québécois. Je dis, ouais, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Vous voyez la question des... Mais si c'est là qu'on voit l'importance de quand on fait des efforts constructifs pour connaître notre culture, connaître nos traditions, le respect qui est rattaché à ça,
Tu sais, il n'y aura pas de femmes qui sont battues à mort, il n'y aura pas d'enfants qui sont tués puis qui sont abusés, puis il n'y aura pas d'hommes qui ont de la violence, puis il n'y aura pas de monde qui boirait comme des éponges puis qui prennent de la taupe. Puis, tu sais, ça a une influence dans tout ça. Puis la musique, tu sais, de jouer du tambour, de chanter, on s'en aperçoit aujourd'hui que c'est sain, c'est guérisseur. C'est pour ça qu'on avait toutes ces activités-là avant. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas être en pratique. Ça, au contraire, ça devrait être de plus en plus pratiqué. Puis, si ce n'est pas en groupe, ben, te dire, mais j'ai toujours rêvé de jouer du tambour, puis j'ai reçu une plume d'aigle, ben, va me faire comme un genre de petit hôtel dans le coin de ma chambre, dans mon salon, puis à tous les jours, moi, c'est ça que je veux vivre. Mais ce que vous vivez ou ce que vous dormez, c'est là votre hôtel, c'est là votre loge. Les ancêtres, s'ils vous visitent, c'est pendant la nuit, parce qu'eux autres, c'est dans le jour. C'est là qu'ils vont vous transmettre des choses. Comme je l'ai déjà dit, si votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère sont partis, ça fait des années, ben qui ne pensera pas, qui ne priera pas leurs parents, qui ne priera pas à leurs grands-parents? Puis de dire, ben, j'ai rêvé à grand-papa cette nuit, ou j'ai rêvé à mère, parce que, tu sais, dans le fond, chez nous, c'est notre hôtel, c'est notre. Il y en a qui vont dire que c'est notre église, pour ceux qui suivent l'église, puis c'est correct. Mais le monde est tellement détaché de tout ça aujourd'hui, c'est comme, si ton téléphone cellulaire ne marche pas, ben là, moi, je ne suis pas capable de sortir de mon char, partir à pied. Ben oui, mais notre génération, quand on avait 20 ans, puis qu'il y a de bazou, il jamait à quatre parts, là, tu prenais tes deux jambes, puis tu marchais, tu faisais du push, tu n'avais pas le choix. Au lieu de paniquer assis dans ton char parce que tu as peur de marcher 2000 pour aller demander à Towing de venir chercher ton char. Mais dans le temps, tu sais, on disait la libération va être quand on va avoir un auto parce qu'on marchait souvent et qu'on faisait du pouce à tout bout de champ. Mais dans le fond, ça, c'est peut-être pas ça qui s'est passé. C'est qu'on s'est attaché à du matériel. Puis quand le matériel brise, ben là, on ne sait plus quoi faire. Mais pourtant, quand tu comptes sur toi, puis tu as confiance dans ce que tu fais, puis ben, tout va tomber dans l'ordre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un peu. Oui. Oui. Dans la communauté, comme à l'ancienne. Tu sais, que ce sont pas. Ils veulent vraiment vivre à l'ancienne, pas vivre comme nous on vit, là, tu sais, comme les Autochtones vivaient autrefois. La chasse, la pêche, le moyen de s'habiller, de se chauffer, de vivre, de s'alimenter. Est-ce qu'il y en a qui vivent encore comme ça? À Odanek? Pas sur, pas à 100%. Huguette, ça fait 400 ans qu'on vit avec les Européens. Les derniers guides qui ont vécu dans le bois. Bonjour, Mme Simard. Ceux qui ont vécu dans le bois, les derniers qui ont vécu dans le bois, c'est ceux qui ont guidé dans le parc de la Mauricie puis le parc des Laurentides, puis ça s'est terminé en 1960. Ah. Mais eux autres, elle a guidé pour les riches touristes américains, dont même les présidents des États-Unis, les riches compagnies. Il n'y a plus personne qui vit dans le bois. Ben, de toute façon, même si demain matin, au Bourg-Jacinthe, on va aller vivre dans le bois, premièrement, on ne sera pas capable de trouver une source d'eau potable parce que c'est pollué partout, un. Deux, les animaux, il n'y en a plus comme il y en avait, même si aujourd'hui, on fait attention pour ne pas frapper les chevreuils partout. Mais il n'y a plus personne qui vit de même, puis ça fait, comme vous dites, là, deux, trois générations que ça ne se fait plus. Puis s'habiller, le monde va porter l'influence de la loi sur les Indiens a fait que le monde a perdu ce lien-là. Ça a été, ils ont vécu des préjugés, d'autres ont vécu du racisme, tu te cachais, tu ne voulais pas dire que tu étais à Benaki parce que tu savais que tu pouvais te faire brosser, te faire taper dessus, te faire battre, ou bien faire rire de toi, ou qu'importe.
Donc, il y a beaucoup de monde qui ont laissé ça de côté, puis ont dit on va se fondre dans les populations environnantes, puis on n'aura plus à vivre, on n'aura pas à vivre ça. Pardon. Mais le seul problème, c'est que quand on vit sur l'intimidation puis la peur, c'est qu'on oublie tout volontairement parce qu'on ne veut plus être attaché avec notre passé. On ne veut plus être... Parce que dans l'histoire du Canada, quand ils montraient le méchant Indien avec sa hache, puis que le père Brebeuf, l'Allemand, qui était dans le chaudron avec les haches rougies dans le cou, on l'a tout vu, ça. Mais c'est assez de faire peur à n'importe qui. Ouais. Puis on a peur que le monde nous considère comme ça. T'sais? Donc, pour X raisons, il y a du monde qui a délaissé ça totalement. Puis, seulement lors de célébrations ou d'un jour de fierté, là, d'habitude, c'était le deuxième fin de semaine de juillet, ben, on porte nos vêtements traditionnels parce que, comme j'ai mentionné au début sur le drapeau, nos parents des États-Unis viennent nous visiter, puis là, on revit en fin de compte ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu anciennement. Puis de revoir aussi, si c'est possible, des vieux costumes, peut-être des nouveaux costumes. Là, je vois maintenant au Danak que le monde porte certaines jeunes femmes, même des jeunes filles, vont porter des robes avec des grelots, qui est originaire de la nation des Ojibwe, Anishinaabe. Puis de servir de cette robe-là, il y a 350 quelques grelots, enfin, concombres après. Mais le problème avec ça, c'est celle qui prend la responsabilité de danser avec ça. Est-ce qu'elle sait à quel clan elle appartient? Est-ce qu'elle sait c'est quoi le totem de sa communauté? De danser avec ça, c'est que tu ne peux pas te permettre d'avoir un faux pas parce que les grelots, comment je pourrais dire ça, ils vont vibrer au tempo que tu danses. Ça veut dire que si tu fais un mauvais pas, ça va paraître tout de suite. Donc, puis c'est pas Benaki. C'est Ojibwe, c'est beau, c'est super. Les robes sont super belles. Puis quand ils dansent, les danseuses sont super jolies, super féminines. Mais c'est pas Benaki. Puis les grelots, un exemple, ce qu'on appelle les grelots, les clochettes, c'est fait avec. C'est de quoi qu'on ne trouvait pas ici auparavant, ou très peu. C'est que c'est fait avec le couvercle du tabac chiqué. C'est la languette que tu enlèves, comme quand on ouvre une boîte d'un canage, il y a un petit couvercle avec une planche. Ben, tu enlèves ça pour du tabac chiqué, puis ils les gardaient, puis c'est avec ça qu'ils ont fait ça. Mais la première robe qui avait été créée de même, c'était pour de la guérison, que les femmes dansaient lors d'événements spéciaux pour la guérison. C'est une danse qui est sacrée. Puis porter cette robe-là. J'en sais pas plus là-dessus parce que je suis pas une femme, puis je porterai pas une robe de même. Donc, à Odanak, c'est seulement les jours de fête, mais je souhaite qu'un jour ils vont comprendre, puis qu'ils vont réaliser ce qu'ils portent, parce qu'il faut qu'ils assument ce qu'ils portent. Que s'il y a quelqu'un qui pose des questions, ben qui savent pas quoi répondre et pas dire, ben je trouve que j'ai été me tirer un héron parce que je voulais me faire une coiffe. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, au fond, on n'en revenait pas. Le gars, il est resté tellement surpris. Je pensais que la personne aurait... J'aurais jamais pensé qu'une personne dit, ben je l'ai tué, j'ai fait exprès pour être capable d'avoir des plumes. Mais... Ça ne veut pas dire parce que tu es quelqu'un de carté, tu es quelqu'un de statué, que tu vas respecter la nature, puis tu vas respecter tes voisins, puis tu sais, ce n'est pas automatique. Là. Puis comme tout le monde, ah oui, c'est pratique de statuer parce que tu ne payes pas de taxes. Mais là, quand on voit qu'on est rendu, qu'on dit seulement ça, puis qu'on ne connaît plus notre culture, qu'on ne connaît plus nos clans, qu'on ne connaît pas le totem de la communauté, bien, il y a un bobo là. Puis qu'on ne blâme pas ceux qui l'ont gardé ou ceux qui veulent le découvrir par respect pour nos ancêtres mutuels. Ça, c'est ça l'autre chose. Puis, en tout cas, c'est ça, je ne sais pas, j'ai toujours des grandes réponses aux questions, là, mais c'est ça. Oui, tu peux aussi. OK.
Moi, j'avais une question, Réjean. Oui, excuse-moi. Dans le fond, qu'est-ce qui se passait avec les femmes qui ne pouvaient pas concevoir d'enfants, qui étaient stériles ou que la vie ne faisait en sorte qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants? Est-ce qu'elles étaient reconnues, eux autres aussi, comme sacrées, les femmes? Avaient-ils le même respect pour elles ou c'était différent? Ben, j'imagine que c'était la même chose. Même encore, comme on voit, super pertinente question, Marianne, parce que si on garde des valeurs traditionnelles, les valeurs du sacré, la dame ne peut pas avoir d'enfant. Okay. Si elle allait voir une femme médecine ou un homme médecine, puis ils vont à une cérémonie pour savoir du pourquoi, OK? Mais cette personne-là est encore plus spéciale, si on peut prendre le terme. Okay. Ça veut dire que si le Créateur a décidé que cette personne-là ne va pas avoir d'enfant, ça peut être pour des raisons de santé, ça peut être pour X raisons, mais de dire, ben, elle n'a pas d'enfant, mais sais-tu, c'est spécial. Quand on parle avec cette femme-là, elle nous regarde, elle regarde toujours autour de nous autres. À un moment donné, elle nous dit des choses qu'on ne voit pas. Je fabule. Mais la personne va être considérée comme quelqu'un qui est capable de voir le futur, quelqu'un qui a un don pour guérir, quelqu'un que... Le Créateur va toujours nous donner, nous offrir des outils pour travailler. Puis, si quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant, ben, il y a des possibilités que la personne ait des dons. Puis l'autre chose aussi, c'est que d'aimer un enfant, tu sais, il n'y a pas de manuel. OK. Merci, René. À la prochaine. Au plaisir de te revoir. À la prochaine, merci. Vous avez des questions, gênez-vous pas, on peut nous les envoyer. Merci. On va répondre. Okay. Merci. Donc, c'est tout ça ensemble. Tu sais, c'est, il n'y avait pas de classe sociale comme si aujourd'hui. T'as un don, puis c'est le même, c'est la vie. L'autre chose aussi, c'est que si la dame, que sa belle-sœur, son frère, il y a des enfants, ben, elle adoptait aussi, elle pouvait adopter des enfants puis l'élever comme si c'était les siens. Même moi, présentement, avec Jacinthe, on n'a pas eu d'enfants ensemble. C'est une réalité. Mais si demain, je dis, bon, on peut adopter, de tradition, on peut adopter un adulte parce qu'on a la responsabilité de prendre soin d'un ado, de prendre soin d'un enfant, de dire, OK, j'adopte qu'importe la personne, puis dire, OK, notre responsabilité, c'est d'enseigner à cet homme-là ou cette femme-là les traditions. Ben, on est le père puis le mère spirituel pendant tout ce temps-là. Puis dans les sociétés traditionnelles, au Canada, aux États-Unis, c'est reconnu puis c'est respecté. Tu n'arrives pas à la cour aux affaires sociales puis à DPJ ou qu'importe, ou à la cour dire, mais j'adopte. Non, non. Tu adoptes quelqu'un dans un système lors d'une cérémonie, puis cette personne-là, tu es garant pour l'aider, cette personne-là. Pour lui enseigner. Donc, c'est la même chose pour celle qui ne peut pas avoir d'enfant. Elle va être. Puis, comme je disais tantôt, il y a une raison à ça. T'sais? Si elle dit, ben oui, j'aimerais ça avoir des enfants, ou ils vont voir une femme médecine ou un homme médecine qui dit, oui, tu pourras avoir des enfants, mais tu ne passeras pas à travers l'accouchement, tu vas décéder. Tu veux-tu en avoir pareil des enfants? Ben là, attends un petit peu. Je pense que moment passé, là, je veux vivre encore un bout. Tu sais, c'est tous des facteurs qui sont importants, mais non, c'est même encore plus spécial parce que, c'est, dans le fond, on regarde ça comme un cadeau du Créateur malgré l'inconvénient. Il y a quoi qui est rattaché à ça qui va se matérialiser là, éventuellement. Merci. Bienvenue. D'autres questions pour les gens?
fait qu'on... C'est bon. Tiens, ton son est revenu, Chel? Ben, en écoutant Réjean, ben, le son... Réjean, j'aurais une question pour toi, moi. Ben oui, ça me fait plaisir, Michel. On sait que dans l'Ouest, présentement, je parlais des plumes d'aigle tantôt, il y a des provinces dans l'Ouest canadien qui ont autorisé que quand un Autochtone doit témoigner à la cour, il peut faire son serment sur la plume d'aigle. Uh-huh. Au niveau de la nation des Benakis, c'est, si on prendrait le même principe, ça serait-tu sur l'esturgeon ou ça serait sur un autre symbole? Je vais être bien franc avec vous autres. Ils ne sont pas rendus là. Ils ne sont pas rendus là. Ils ne sont pas rendus là. Donc, puis je ne voudrais pas... comment je pourrais dire ça? Non, c'est un cheminement, puis faut qu'il y ait beaucoup d'éducation, puis encore un autre, c'est encore une autre belle occasion de le dire, c'est merci, Tioliouni, Nidomba, Alnombasqua, merci beaucoup encore de nous donner l'honneur et l'opportunité de vous enseigner des choses. Mais on espère qu'un jour, ça va être capable de se faire dans ma communauté, mais ce n'est pas le cas présentement. Puis malheureusement, ça ne sera pas demain que ça va se faire. Donc, de l'utilisation de la plume d'aigle ou de la plume de héron pour ça. Puis si c'est fait, je ne sais pas comment que ça va être perçu. Je vois, puis à mon qui me cause une grande peine intérieure, c'est de voir que c'est il y a beaucoup de choses qui sont c'est littéralement vulgarisé, puis c'est folklorique, puis c'est comme on dit, tu sais, l'habit fait pas le moine. Puis non, par respect pour eux autres, puis pour moi-même, ils sont pas rendus là. Puis la journée, j'espère que la journée qu'ils vont être rendus là, ben, ils vont être conscients des gestes qu'ils posent, puis des conséquences par rapport à ça. Ben, ils ne sont pas encore rendus là. Puis dans le fond, c'est un bel exemple, malheureusement, de la loi sur les Indiens. T'sais. Mais au moins, on a gardé notre manière traditionnelle de danser. La langue, jusqu'en 1976, était toujours parlée, écrite, puis lue. T'sais, au moins, j'ai connu, pour ma génération, j'ai connu ça. Les autres de mon âge, ils n'ont jamais porté d'attention là-dessus, puis c'est leur choix. Moi, c'est comme... Je me suis toujours senti comme un... Comment je pourrais dire ça? Comme un extraterrestre en communauté, parce que j'ai toujours été intéressé à plein d'affaires que les autres, ils s'en foutent comme dans la 40. C'est pas parce que c'est de même. Moi, j'ai toujours été poussé à aller voir les aînés, d'apprendre ci, d'apprendre ça. Puis aujourd'hui, ben, puis des transferts, ce que mon arrière-grand-père a transféré à mon père me l'a transféré. C'est mon héritage. Puis ça, ben, on l'acquiert ou on est né avec ça de naissance. Donc, c'est le fun d'aller voir dans notre background puis de dire, ben, on a tout un don en quelque part. Puis, on peut en faire une ascension vers un monde meilleur, soit premièrement pour nous autres, personnellement, pour ceux qui nous entourent, le monde qu'on aime, le monde qui sont avec nous, nos familles, nos enfants, puis la communauté, puis la société en tant que telle. En fin de compte, c'est notre apport. C'est notre participation, moi et Jacinthe, d'être avec vous autres aujourd'hui. Bien, on souhaite que ça s'étende partout au Québec, que ça s'étende partout, qu'on soit capable de se parler franchement de même, puis de partager. Et pas toujours parler du COVID, puis de la carte de un, puis de la carte de l'autre, puis de la taxe de un, puis de la taxe de l'autre. Puis, tu sais, on va laisser ça à d'autres, là. Mais même à ça, ceux qui font ça, est-ce qu'ils sont vraiment à l'aise là-dedans? Je vais rajouter quelque chose. Oui. Je vais juste rajouter un petit point, Michel. Ben, dans le fond, c'est tout le monde. Ce que nous autres, on a remarqué, c'est que
comme là tu dis, c'est nouveau ça, la plume d'aigle là, dans l'Ouest. C'est que le gouvernement canadien a décidé, il n'y a pas si longtemps, qu'on ferait la réconciliation. Puis dans la question de la réconciliation, il y a beaucoup de recommandations. Je ne sais pas si vous les avez lues, il y en a une couple. Et on a remarqué qu'il y a la partie autochtonisation. Donc, il y a une grosse différence entre on va autochtoniser des gestes. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Parce que là, on tombe vraiment dans l'apparence. Fait que c'est si moi, si j'ai. Ben nous autres, en tout cas, on a vu quelqu'un qui a fait une. Est devenue juge, en tout cas, et elle avait une plume. Mais elle n'avait pas le droit, vraiment, cette plume-là n'était pas. Elle n'avait pas vraiment la. Tout l'enseignement qu'elle avait avec. Mais par apparence, étant autochtone, elle a une plume. Est-ce que là, on est capable de faire le discernement de ça? Cette personne-là, ben, il faut qu'elle vive avec, là, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est que quand on décide que, ben oui, c'est correct, on va y aller avec nos plumes, puis on va faire un serment, ben, est-ce que toi, tu as travaillé quelque chose avec ta plume? Est-ce que tu as donné cette spiritualité-là à laquelle que toi, tu crois profondément? Fait que quand tu vas faire ton serment, là, il n'y a plus du tout la même signification que dire que moi, je suis un autochtone, j'ai une plume, puis j'ai le droit, puis je revendique, puis je milite, puis je veux mes plumes. C'est plus la même affaire du tout. Fait que nous autres, on le voit aussi dans l'Église ici, c'est autochtonisé. Le principe du catholicisme est toujours là, est toujours très, très présent, mais on a des plumes, on a des sculptures, on a Catherine de Catuta. C'est autochtonisé. OK? Fait que, mais est-ce que quelqu'un va être capable de vous expliquer vraiment qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi que ça s'est fait de même? Pourquoi? Ben, nous autres, on est des Indiens, on fait ça. Ben, c'est pas tout à fait ça. Fait que c'est pour ça que je voulais juste faire une mise au point que si on voit ce cheminement-là que le gouvernement canadien est en train de mettre en place, de dire que oui, on va faire la réconciliation, fait qu'on va autoriser des plumes. En tout cas, moi, j'ai un côté critique à ça. Vérifier qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment se fait que le gouvernement veut ça tout d'un coup? Là? Puis comment ça se fait qu'on va sortir nos plumes? Mais, en tout cas, comprenez? C'est juste des fois d'avoir un esprit critique face à ça, puis de regarder aussi, moi, qu'est-ce que ça me dit, cette chose-là? Est-ce que moi, je suis bien avec ça? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? C'est pas parce que je suis un autochtone, je veux avoir une plume pour parler. Pas obligé. S'il n'y a plus de plumes un jour, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'aigles, il n'y a plus d'hérons, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je reste avec moi, avec ma propre... Ma plume est dedans de moi. Tu sais? C'est moi la plume. Fait que c'est de la concrétiser en soi. Fait que c'est comme ça que... C'est ça que je voulais rajouter. Ben, je te remercie de ton commentaire, Jacinthe, qui est très pertinent. C'est sûr, si c'est juste des apparences, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de connaissance, ça ne vaut pas grand-chose. Et c'est peut-être là-dedans que le gouvernement est en train d'entraîner avec la réconciliation bien des nations autochtones. Merci beaucoup. Un petit détail pour ajouter à ce que mon épouse disait. Tu sais, réconciliation pour bien du monde, ou bien souvent le monde, ils ne s'arrêteront pas à savoir ce que ça signifie. Puis, vous allez me dire, Régent, tu radotes depuis la première rencontre qu'on a eue ensemble. Okay. Si Ottawa, c'est le papa de tous ceux qui ont du sang autochtone ou qu'importe au Canada, qui prend soin de ses enfants, bien, la réconciliation, il devrait avoir une promotion de réconciliation comme on le fait avec vous autres. Qui tenait.
c'est tout en silo. Tu sais, s'ils sont vraiment intéressés à réconcilier tout le monde, ben, tu trouves les moyens pour que tout le monde se parle de façon égale, de pas une question, tu es un corps, un 16e, un 32e. Non, non. Tout le monde se parle, puis tout le monde échange pour être capable de bien se comprendre. Puis ça, c'est de la vraie réconciliation. Ça veut dire même on devrait pratiquer, on le pratique dans nos familles, dans nos communautés, puis après ça, hors des murs de notre communauté. Mais c'est pas, hein? Avec soi-même. Oui, avec se réconcilier avec soi-même. Donc, c'est la raison pourquoi, encore, Tio Léoni, merci beaucoup pour nous donner l'honneur et la chance d'être capable de se parler franchement, parce que là, c'est le fun, parce que nous, ça fait quoi, exactement 2 ans là, qu'on jase? Bien là, jouer des matantes, des cousins, des cousines, c'est plus l'organisation que je vois. Je vois des êtres humains qui ont besoin de connaître des choses, puis qui ont besoin de m'enseigner des choses aussi. C'est un échange tout le temps. Donc, pour moi, c'est ça la réconciliation. Mais, puis de faire du mieux qu'on peut pour qu'on vive dans un monde qui soit plus ouvert, puis moins critique, parce que, tu sais, il y a du monde qui sont tellement insécures qu'ils n'oseront même pas. Ils vont être seuls dans la maison chez eux, puis ils vont dire, ah oh non, j'ai un tambour, je ne chanterai pas parce que je n'ai pas ma carte. Pauvres autres, ils vont-tu vivre une vie de torture pour le restant de leur jour? Ça n'a pas de bon sens. Mais le monde te martèle tout le temps, tout le temps. Tu sais, radote, c'est quoi ça de l'appropriation culturelle? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là de l'appropriation culturelle? La langue que je parle présentement, parce que ma mère est canadienne-française, et québécoise. Je ne fais pas de l'appropriation culturelle parce que ma mère, elle parle en français. Mais si ce n'est pas ma langue, j'en fais moi-même de l'appropriation culturelle. Je devrais vous parler seulement en Abénaki. Puis là, je ne fais plus d'appropriation culturelle. Donc, le monde, il faut qu'il fasse attention à ce qu'ils disent parce que, en tout cas, moi, je trouve que c'est un malaise. Là. C'est comme... Ah, c'est incroyable. Le monde, on dirait que le monde ne veut plus, ou le leadership, le gouvernement fédéral veut ça faire leur affaire, que tout le monde se chicane, puis qu'on se détruise l'un l'autre, parce que dans 20 ans, j'espère qu'on va être capable de continuer à parler en français. Parce que de la manière dont c'est parti là, on va tout parler en anglais, puis on va être comme Obélix, Astérix, dans un petit village gaulois. Des en silo ici et là. Donc, vous voyez, c'est notre réalité. Ça, c'est mon côté québécois là, qui dit c'est important qu'on garde ma langue maternelle. Moi, c'est le français. Mais si tout le monde s'autochtonise au coton, tant mieux pour le positif. Mais quand tu t'autochtonises pour cacher tes origines, pour ne pas regarder la vérité, puis faire un beau front pendant 2 jours, puis le lendemain, tu gueules contre les voisins, mais par contre, la veille, bienvenue, venez acheter mon artisanat, je vous aime, puis le lendemain, bien, sors d'ici, t'es un blanc, t'es un ci, t'es un ça. Vous voyez, c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser. C'est pour ça que de retourner aux sources par rapport à des pratiques spirituelles ou des pratiques ancestrale ou n'importe quelle autre pratique spirituelle. Si tu crois vraiment dans l'être humain et dans la nature humaine pour le bon, bien, on va vivre dans un monde meilleur. Moi, Yali, là, je commence à sonner comme un preacher. que le chinois vous bénisse et vous garde, là, je peux vous dire ça. Mais merci beaucoup encore. Puis, c'est le fun. Ça fait du bien de vous voir. Puis, bientôt, on va vous voir en personne. Puis, ça s'en vient. Au mois de juillet, on va aller à Georgeville. On va aller dans un petit coin que je ne connais pas en tout. C'est vraiment spécial. Là, on va aller se ressourcer avec des ancêtres écossais pour entendre la cornemuse, si c'est possible. Là. Ça va être spécial. Donc, merci beaucoup encore. Et puis, c'est tout, à moins que vous ayez d'autres... Bien, c'est nous qui te remercions, Régent, puis on remercie aussi ta conjointe. C'est toujours très intéressant. Puis ta conférence aujourd'hui était inspirée réellement d'une pensée profonde et d'une pensée pour nos ancêtres. Je pense que nos ancêtres méritent qu'on continue à se rappeler de notre culture et de nos origines
pas nécessairement d'en faire un mode de vie traditionnel comme là, 300 ans, mais que ça soit omniprésent dans notre façon de concevoir le futur puis notre réalité. Puis là-dessus, je vous remercie. C'est pas la dernière fois qu'on se voit, on va se revoir parce qu'on est en train d'essayer de négocier avec le gouvernement pour être capable de continuer notre projet. Puis si on vient à bout, bien, c'est sûr qu'on va être en mesure de se revoir au courant des mois prochains. Je te remercie énormément. Puis, je te souhaite une bonne fin de journée à toi et à ta conjointe, à tous ceux qui ont participé à cette conférence qui a été une des plus intéressantes. Merci bien. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. 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 Adieu. Adieu.